La victoire de François Hollande n'a pas provoqué que des élans de joie à Aix-en-Provence. Dans la nuit de dimanche à lundi, la permanence de campagne du socialiste Jean-David Ciotte a été vandalisée. La vitrine a volé en éclats. Le point d'orgue, selon lui, d'une série de dégradations. Jets d'œufs, serrures saccagées. Excédé, Jean-David Ciotte a décidé de porter plainte. J'en appelle vraiment à la responsabilité des élus. On ne peut pas se comporter en appelant en agitant toutes les peurs qui attisent les haines et qui finissent en violence. Et je voudrais qu'on ne commence pas la campagne des législatives dans ce département et à Aix en particulier sous le signe de la violence. On est dans un débat démocratique, il faut accepter. Il y a eu un vote, François Hollande a été élu, n'en déplaise à certains ou à certaines. Rappelons que Jean-David Ciotte est candidat aux élections législatives à Aix-en-Provence face à la maire UMP, Maryse Joissin.